Visite attendue à Milform avec la venue du nouveau président du Centre Pompidou, Laurent Lebon. Visite attendue par le Centre d'initiation à l'art pour les 0-6 ans et surtout par l'intéressé lui-même. J'avais un rêve depuis mon arrivée au Centre Pompidou, c'était de venir à Milform. Parce que je crois vraiment qu'à Milform, à Clermont-Ferrand, on a tout l'esprit pluridisciplinaire du Centre Pompidou réinventé dans un espace extraordinaire de 700 mètres carrés où le cinéma dialogue avec les expositions, avec un petit café. On a là l'esprit du Centre Pompidou, mais de manière tout à fait spectaculaire et inédite, dédiée aux jeunes. Avec comme écrin l'exposition « Le peuple de demain » signée Jean-Charles de Castelbajac, cette visite a été l'occasion de souligner l'importance de l'art dans le développement de chacun. Et là, je crois fondamentalement qu'avec Milform, on a une proposition simple, c'est qu'avec l'art, on peut voir le monde différemment. En 3 ans d'existence, Milform, au milieu de la crise sanitaire, a accueilli 56 000 visiteurs, dont plus de 8 000 en groupe. Et devant ce succès, l'idée d'étendre le projet fait logiquement son chemin. Et effectivement, le succès de Milform, c'est quand les gens viennent ici, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de le déployer dans leur propre ville. Et donc, c'est ce qu'on va s'employer à faire avec Monsieur le maire dans les mois qui viennent. Milform, c'est un lieu magique. Et comme ça marche, on peut le dupliquer ou l'exporter, mais pas de façon identique, chacun avec l'âme de son territoire. Et donc aujourd'hui, ce que nous essayons de mettre en œuvre avec le Centre Pompidou, c'est une forme d'expertise, un laboratoire, une expérimentation, et qu'on puisse la généraliser dans d'autres territoires qui auront envie, au fond, de travailler sur la question de l'art et de la culture pour les 0-6 ans. À Clermont, la culture rayonne et ce lieu unique qu'est Milform en témoigne depuis son inauguration en 2019.